Excellence, Monseigneur Anatole Milondou, archevêque de Brazzaville, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle polyvalente. Cette séance de clôture des activités de l'école catholique dans notre archidiocèse devait être un haut lieu d'examen et d'analyse des résultats obtenus au cours de cette année scolaire qui s'achève. Il s'agit en réalité de l'examen et de l'analyse des résultats partiels, car les examens d'État ne sont pas encore terminés. Aussi, la Commission diocésaine de l'éducation catholique tient aux meilleures conditions de travail de la DEDEC. C'est ainsi qu'il va être projeté une fois de plus la nouvelle plateforme informatique de la DEDEC. Nous allons la découvrir. Il avait déjà été décidé par nos archevêques un accord avec la Commission diocésaine de l'éducation catholique, CEDEC, de l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme financière dès l'année prochaine. Toutes ces questions vous seront présentées. Et on a regardé également, depuis l'an passé, nous pouvons faire avec les écoles. Donc voilà, aujourd'hui, on a démarré un nouveau projet avec des écoles, que ce soit des écoles conventionnelles, des écoles publiques ou privées. Alors, nous allons vous parler de notre mission, c'est déployer et gérer les réseaux de télécommunications au Congo. Alors, l'objectif, c'est devenir partenaire, que ce soit des écoles, des hôpitaux, peu importe l'activité. Et Congo Télécom, aujourd'hui, veut, à cette mission-là, de devenir partenaire de toutes les entreprises, quelle que soit sa taille. Et là, ça permettrait aux écoles, aux parents, aux visiteurs, c'est ceux qui vont visiter votre site, d'avoir un certain nombre d'informations. Voilà, ils peuvent voir l'école. Et de là, ils peuvent voir le nombre d'enseignants, le nombre d'élèves, de personnel de bureau et des utilisateurs. Et s'il y a la communication, on peut le voir à partir de là. Je peux voir les annonces ou nouvelles de l'école. Rien qu'en cliquant, je peux voir un peu à peu près ces informations, ces genres d'informations, si la direction des complexes scolaires, ainsi de suite. Donc toutes ces informations que vous avez, vous pouvez les poser. À partir du tableau de bord également, je peux voir les statistiques des élèves ici. Si je mets par exemple mon curseur là, il y a l'infobus qui me montre la classe et l'effectif de cette classe. Donc, si j'ai 25 élèves, ça serait 25. Et il me donne aussi les taux en pourcentage. La classe représente combien de pourcents dans mon établissement. Si c'est 25%, il te dira que c'est la classe populaire. Et de l'autre côté, j'ai les différents messages des parents et je peux voir mes utilisateurs dans mon réseau. Chaque fois qu'il y a des... Cette solution consiste à dire quoi? Quand un parent se présente dans une école pour inscrire, dès qu'il s'inscrit, on prend les informations de ce parent d'élève. On sait qui il est, où il vit, quel est son numéro de téléphone. L'enfant qui vient, on sait quel est son niveau, quel est son âge, quelles sont ses compétences. On l'affecte dans une classe. Le logiciel là dit où est l'enfant. Ce qui fait que l'enfant là est unique. Dès l'inscription, il a directement sa photo, sa carte d'identité, carte scolaire, on sait où qui l'enseigne, quel est l'enseignant qu'il a, et on lui met les ouvrages qu'il peut consulter, et l'enfant est affecté dans une classe. On peut donc le suivre pendant 9 mois. On saura quelles sont ses absences, quelles sont les moyennes qu'il a obtenues, quels sont les professeurs qui l'enseignent, quelles sont ses absences? C'est ce logiciel-là qui gère.
Mais ce logiciel est dans une plateforme, c'est-à-dire dans un ensemble, tel que votre école à vous, même si cette école était à Matamadilou, la nouveauté c'est quoi? C'est que cette école va être connue dans le monde entier. Dès que vous tapez, même aux États-Unis, même en Asie, on voit. L'école gagne en visibilité. L'école gagne en visibilité. On voit ce que l'école fait. On ne voit pas tout. Ce qui fait que dans cette gestion, le directeur gère ce qui est de la direction. Personne ne peut rentrer dans son compte. Le coordonnateur, la coordonnatrice gère tout l'établissement. Il voit tout ce qui se fait à travers l'outil de gestion. Le gestionnaire, lui, il gère la comptabilité. Il peut savoir combien ont payé, combien n'ont pas encore payé. Quelles sont les dettes que nous avons, quelles sont les recettes que nous avons. En temps réel, ce que lui gère, personne ne peut voir, ce n'est que lui et le coordonnateur. Parce qu'il y a des mots de passe. Voilà comment il gère. Ensuite, on donne la possibilité aux parents. Donc le parent a un mot de passe. Dès qu'il clique le mot de passe, il peut voir la situation de son enfant. Donc, rien que la situation de son enfant, les notes de son enfant, il voit. Les cours de son enfant, il voit. Les absences de son enfant, il voit. Donc, le parent, avec le téléphone, avec l'ordinateur, il peut voir la situation de son enfant. Le directeur, il a la possibilité de voir tout ce qui se passe. Et nous sommes arrivés à dire, dans l'école, il y a au moins ces quatre personnes-là qui ont la connexion pour travailler. Et nous donnons encore la possibilité au coordonnateur, à la coordonnatrice, même à la maison, de pouvoir travailler sur son école. Il a toutes les informations. Ça, c'est pour l'administration. Le parent de l'élève peut aussi accéder. Même l'élève lui-même, il peut accéder pour voir sa situation, voir les cours, ainsi de suite. Voilà la nouveauté. Cet outil de gestion-là fait qu'une école de Brazzaville n'a rien à envier à l'école qui se trouve à Paris. Parce qu'il s'agit des mêmes outils de gestion des écoles. Vous allez poser la question, comment cela va se faire? Les études se font sur le terrain. Les techniciens sont en train de passer sur le terrain pour rassembler tous les éléments. Toutes les écoles sont aujourd'hui constituées. Il ne reste qu'à implémenter les logos, le personnel et rendre l'outil gérable. Donc, chaque école va avoir cette connexion et cet outil de gestion. Si c'est bien fondé. Remarquez, moi, il y a longtemps que je me suis mis à l'outil informatique. Et plus nous avançons, plus on se rend compte qu'on ne peut pas s'en passer. Il y en a qui seront analphabètes dans quelques années, parce qu'ils ne sauront pas utiliser l'outil informatique. De plus en plus, il y a des choses qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Même pour imprimer, ça devient difficile. Mais lorsque tu as ton outil informatique, tu as ton téléphone, tu as tout ça dedans. Donc, de plus en plus, il y en a qui réagissent lentement, mais de plus en plus, on va vers ces choses-là. Le modernisme, l'informatique nous impose pratiquement d'aller de l'avant. On ne peut plus reculer aujourd'hui. Il faut se mettre à l'Internet. À ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui même, tu as fait ton test Covid, on te met ça dans le téléphone et devant à l'aéroport, tu montres ça et tu passes. Et si tu n'as jamais pratiqué ça, tu vas aller demander encore à gauche, à droite. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui vont
qui vont se réaliser petit à petit, progressivement. Il faut commencer par, sinon, il y en a qui ne se mettront jamais. Mais c'est un outil informatif. Il y en a qui sont lents à réagir, mais ils se mettront à l'évidence, ils se feront à l'évidence. Ça, de plus en plus, c'est le modernisme qui nous impose ça. On peut faire autrement. Les impressions sont bonnes, dans la mesure où l'outil informatique, et chaque école doit s'approvisionner en principe en outil informatique. Et cette information est la bienvenue pour permettre à nos écoles d'évoluer sur l'outil informatique. En tout cas, mes impressions sont très bonnes. C'est une bonne chose parce que nous allons rentrer dans le modernisme. Les applications que nous utilisons à l'école, c'est archaïque. Mais avec la nouvelle plateforme de Congo Télécom, qu'est-ce que je peux encore dire? La nouvelle plateforme est la bienvenue. Bien, mes impressions sont bonnes, d'autant plus que l'exposition qui nous a été faite par Congo Télécom est d'autant plus intéressante que ça va booster les établissements dans le rendu de nos rapports, dans l'organisation du travail, aussi bien administratif que pédagogique. Donc je crois que ce que nous avons reçu comme message, c'est très bon pour élever, la formation, ou pour élever le... Enfin, comme on a dit tout à l'heure, pour rendre le travail beaucoup plus rapide.